Bonjour tout le monde. C'est la première vidéo pour le cours de introduction à la programmation avec le langage Java. Donc, vous allez avoir une série de vidéos explicatives du contenu du cours qui vont débuter par la configuration logicielle. Ensuite, on va entamer les exemples un à un et les concepts théoriques. Le but de cette première vidéo est de vous montrer le téléchargement et l'installation du JDK. Donc la première chose à faire consiste à ouvrir une page, un navigateur, que soit vous utilisez Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, peu importe, et vous faites une petite opération de recherche. Donc, lors de la recherche, il suffit juste de taper JDK et Download. En faisant ça, vous allez avoir le premier lien qui va apparaître, c'est le lien de oracle.com. Et cliquez directement sur Java Standard Edition, Java SE, et vous allez avoir la dernière version disponible, qui est la version 14. Bien sûr, vous pouvez accepter les cookies. Et vous avez ici votre JDK Download, le lien de téléchargement. Donc en cliquant sur ce lien, vous allez avoir la licence premièrement, prenez le temps de la lire, et ensuite les différentes versions du JDK que vous pouvez télécharger. Donc quelle est la différence entre ces versions? C'est que c'est le système d'exploitation sur lequel elle va être installée. Donc vous avez des distributions sur Linux, des distributions sur Mac et des distributions sur Windows. Moi, vu que je travaille sur un système Windows, donc je vais télécharger la version Windows 64 installable. Et le lien de téléchargement, l'exécutable de téléchargement, il se trouve sur ce lien-là. Donc il suffit juste de cliquer sur ce lien. Bien sûr, vous devez accepter les termes de la licence Oracle et vous cliquez sur Download. Donc en cliquant sur ça, vous allez avoir votre téléchargement. Bien sûr, le téléchargement, si vous avez un utilitaire de téléchargement, il va se faire avec cet utilitaire. Sinon, ça va être directement dans votre navigateur et vous allez l'avoir en bas à gauche. Une fois le téléchargement terminé, vous allez avoir votre fichier qui est disponible dans le répertoire où vous avez fait le téléchargement. Donc, cliquez deux fois dessus. Donc, là, vous avez l'installation de Java Standard Edition Development Kit. C'est le JDK, c'est notre JDK. Donc, SE, c'est pour Edition Standard et Kit de développement. La version 14, mode 64 bits. Donc, ça, c'est notre installation. On clique sur Suivant. On choisit le répertoire d'installation. Moi, je vous recommanderais de laisser le répertoire par défaut. Si vous voulez le changer, vous pouvez juste cliquer sur le bouton Change et là, vous allez changer votre répertoire d'installation. Suivant, il va commencer son installation. Elle ne va pas prendre beaucoup de temps. Une fois l'installation terminée, vous allez avoir cet affichage-là vous disant que il a été correctement installé. Donc, vous pouvez passer aux étapes suivantes pour accéder à des tutoriels, à la documentation, etc. Sinon, vous pouvez cliquer sur Close pour terminer votre installation. Voilà pour cette première vidéo qui est l'installation du JDK. Merci pour votre attention.